nous sommes ici à Plogov, devant la baie des Trépassés. À gauche, il y a la pointe du Raz, et à droite, il y a la pointe du Vent avec la chapelle Santel. Tout ce territoire ici est un territoire dangereux au niveau de la mer. Il y a eu des naufrages à n'en plus finir. La baie des Trépassés, c'est l'endroit où les morts s'embarquaient sur l'autre monde. Ici, on raconte que la ville 10 a été engloutie. La légende de la ville 10, c'est le grand légendaire breton. L'idée centrale de la ville, c'est la ville engloutie au fond des eaux. Elle est là, quelque part. Des histoires sont importantes parce que quand un pays est habité par un légendaire, il a une puissance de résistance à toutes les forces mercantiles ou technocratiques. C'est quelqu'un de vivant, c'est un territoire vivant. La centrale devait être construite à peu près à ce niveau ici, s'appuyer sur ce roc-là, et puis elle aurait été construite à cet endroit. Ils auraient dynamité la roche, la falaise, pour construire 3 réacteurs. Et bien sûr, pas de tour de refroidissement prévu, parce que la mer aurait permis de refroidir les réacteurs. Je pense que c'était peut-être le plus fédérateur, la beauté du site. L'aberration de penser qu'on pouvait attenter à la beauté de ce site. C'était évident, un jour ou l'autre, les Français comprendront qu'on ne peut pas massacrer un site comme celui-là. Ce n'est pas vraiment sa beauté que je voulais préserver. C'est vraiment les éléments, l'eau, la terre, la roche. Moins beau, je l'aurais fait aussi. La centrale serait là. Les rochers seraient remplacés par des quais et des digues bien droites. À la place de la lande, il y aurait de hautes tours peintes en blanc. Des kilomètres de lande où on se sent si libre seraient entourés de barbelés. Et alors, plus question de pêcher les petits crabes sur la plage à marée basse. J'avais rencontré l'ingénieur EDF qui avait cherché les lieux pour les centrales. Alors, il y en avait plusieurs. Et je lui avais demandé, mais pourquoi vous installez vos centrales dans des endroits qui sont les plus beaux de la région ? Et il m'avait répondu de manière assez candide, et ça m'avait un peu étonné, mais à la réflexion, c'est logique. Il m'avait dit, nous faisons, nous ingénieurs, nous produisons la plus belle chose que puisse concevoir l'intelligence humaine, la quintessence de la technologie, et pour ça, il faut les plus beaux écrins possibles. Nous, on a pris la ferme en 1973. On était dans notre travail de paysan, point la ligne.
On n'avait pas conscience que près de chez nous, on est à un peu plus de 15 km, ce projet de centrale atomique allait nous tomber dessus comme ça. On militait un paysan travailleur d'un syndicat minoritaire qui n'était absolument pas reconnu par le gouvernement à l'époque. J'avais 18 ans, je débarquais et je découvrais tout. J'étais enseignant en Mayenne, hein. On était tous les deux enseignants en Mayenne, et puis comme tous les Bretons, on avait demandé année après année à revenir au pays, quoi. Et donc c'est en 76 qu'on a obtenu notre mutation pour Landerneau. Et on était tous les deux profs de physique, chimie, on arrive là. Et puis, sur un des murs, ce qui nous frappe tout de suite, c'était une affiche qui nous annonçait un projet de centrale nucléaire. On se dit, c'est pas possible, quoi. On revient en Bretagne pour trouver la Bretagne qu'on a toujours rêvée, et ils vont nous mettre une centrale nucléaire, quoi. Et rapidement, on a su qu'il existait un comité local d'information nucléaire à Landerneau. Et c'est parti tout de suite, quoi. Alors en plus, en tant que prof de physique-chimie, on avait quand même une capacité à parler technique. Et puis bon, il n'y avait pas que ça, hein. Il y avait vraiment on n'avait pas envie que cette centrale se fasse. J'étais étudiante, j'étais à Paris. Et c'est à Paris d'ailleurs que j'ai vu une affiche, un journal... Plogoff, centrale nucléaire. Tout de suite, je suis rentrée avec mon mari. J'étais mariée à l'époque. On était mariés depuis peu de temps. Et ben, on est revenu. J'étais venue pour un travail d'assistante sociale. Et j'avais trouvé une petite maison tout au bout du Cap, près de la pointe du Vent. Et en arrivant, je ne savais pas qu'il y avait cette lutte anti-nucléaire. J'étais plutôt revenue pour trouver des racines bretonnes et je me suis intéressée à ce qui se passait dans ce bout de Bretagne où j'avais décidé de m'installer. Au début de la lutte, j'avais 21 ans. Je travaillais chez mon père, qui était minotier, dans la commune de Mahalon. Mon père a été irradié à 5 ans par une irradiation médicale. Il m'a poussé à m'engager dans la lutte au départ. Quand il y a eu le projet qui a été annoncé, eh bien, il m'a dit « il faut que tu t'engages dans cette lutte ». D'autant plus que j'avais fait des études de maths et de physique, donc je connaissais quand même le sujet dans le domaine nucléaire. J'étais très concerné par tout ce qui était protection de la nature parce qu'il y avait eu le remembrement, c'est-à-dire l'arasement des talus dans la région, dans la commune. Et donc cet impact de ce remembrement, de cette destruction des haies m'avait beaucoup touché. J'ai vu détruire un paysage qui m'était cher. Je me souviens que je suis allé pour la première fois pour le quotidien Libération. Je suis allé à Plogoff en 1976. Au départ, c'était des gens qui étaient chez eux, sur leur terrain, et qui n'étaient pas des militants. Ils étaient bloqués, ils avaient des pancartes, ils disaient non. Les paysans ont regardé ça un peu d'assez loin. Mais les marins, on les a vus venir en bateau lors de manifestations à Plogoff. Les paysans ont commencé à se mobiliser quand on leur a projeté la situation des lignes à haute tension qui devaient partir de la centrale atomique. On a vu le tracé avec EDF. On savait où c'est que ça allait passer, surtout sur le nord du Cap Sizun, quoi. Là, ça a commencé à poser des problèmes, puisque on s'est dit, hein, c'est les grosses lignes à haute tension qui vont passer par dans mes champs. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Au départ, c'est toute la Bretagne qui a été concernée par ce projet de centrale nucléaire. Il y a eu, une carte qui a été proposée en décembre 1974 avec 4 sites en Bretagne qui faisaient suite au plan Mesmer de 1973 qui visait à équiper l'ensemble de la France de 200 centrales nucléaires. Au départ, il y a une certaine hébétude
hein, de la part de la population. Ils se disaient, mais pour quelle raison on va implanter une centrale? Ils n'y croyaient pas. Ils attendaient, ils se disaient, ça ne peut pas être un plogofond. On ne va pas faire une centrale à la pointe du Raz. Ce n'est pas possible. C'est un site d'intérêt national, voire européen ou mondial. Pas possible de construire une centrale à la pointe du Raz. Plogoff a été choisi parce que sur l'un des sites à Erdeven, eh bien, l'engagement était très fort. Et la lutte a abouti très rapidement. Et puis, le site a été écarté. Saint-Viaud, en Pays Bigouden, ne convenait pas parce que c'est un site dunaire. Et donc, au niveau implantation d'une centrale, ne convenait pas également. Et Béganfri, dans le nord du Finistère, eh bien, a été écarté très rapidement. Et Plogoff a été choisi parce qu'il y a eu une action de lobby de la part d'un élu local, un député, et qui était très favorable au projet. Très vite, s'est constitué un tout petit groupe, et il se trouve que c'était dans cet atelier que les premières réunions ont eu lieu. Nous étions une dizaine pour commencer. Ça s'est fait vraiment naturellement, avec une intensité, une générosité de jeunesse. Et c'est là que j'ai rencontré Jean, qui était un des leaders de la lutte. J'ai connu la lutte surtout au travers de Jean. Des arguments de l'UEF, c'était d'aller transformer complètement la commune, quoi. Il y aurait d'abord des cités, on construirait, pour tous les gens qui viendraient travailler, on construirait des maisons, ça ferait marcher le bâtiment. Il y aurait des royalties, il y aurait des piscines, il y aurait tout ça. Nous, comme enseignants, c'était littéralement bombardé de diapositives, d'affiches, incitations à faire venir dans la classe une association qui s'était créée, soi-disant à partir d'enseignants, pour venir expliquer qu'il n'y avait pas de danger. Alors nous, on regardait les fiches, on voyait bien qu'elles étaient totalement bidonnées. C'était de l'intox total. Quand on parlait de contamination, on nous parlait uniquement de contamination externe. Et on nous montrait comment une simple feuille de papier, par exemple, pouvait arrêter les rayonnements alpha les plus dangereux, donc il n'y avait pas de problème, donc on risquait rien. Vous vous rendez compte, les centrales nucléaires, ce sera une épaisseur de béton énorme, il y aura la cuve et tout, vous ne risquez rien. Ils ont dû se dire à Paris, on se dit, on va mettre ça chez les Bretons, une centrale là-bas, ça va être très bien. Il y aura très peu de contestations. C'est un pays pas très peuplé, en fin de compte. Je ne veux pas dire qu'ils sont arriérés, mais on sous-entendait ça, qu'on pouvait être arriéré, à la limite qu'on n'avait pas encore l'électricité, et ça nous aurait fait du bien d'avoir une petite centrale atomique. On a trouvé dans un document qu'on disait « population naïve et crédule ». Donc on s'est dit « ça va passer ». Et puis d'autant plus que le projet était présenté comme une chance au niveau économique pour la région. De l'énergie pour la Bretagne, un développement économique, des emplois. Il y avait tout un discours. Il fallait l'énergie pour combattre le chômage. Aujourd'hui, on a et l'énergie et le chômage. En 1975, le nucléaire, c'était dans l'air du temps. La France était un grand pays. On avait su faire le Concorde, quand même. Et depuis, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas non plus. Les élus, ils ont été au Japon, ils ont été en Espagne, à Vendelos. Et nous, paysans, la Chambre d'agriculture, nous avait organisé un voyage avec EDF. On a été deux quarts à se déplacer à Saint-Laurent-des-Eaux et Chinon. On nous a hébergés dans un nouveau hôtel, on était très bien d'ailleurs, on a bien mangé, bien bu. On nous a mis dans un amphithéâtre là-bas pour nous expliquer ce qui allait nous arriver et comment ils voyaient la chose. Mais on n'avait pas le droit de poser la question. Alors nous, on essayait de poser des questions, mais ils nous disaient, vous n'êtes pas là pour poser des questions, on vous donne les réponses. Le Breton n'est pas têtu, il est persévérant. Et il n'accepte pas qu'on lui dicte ce qu'il doit faire dans son pays, quoi. Ce critère humain, culturel, sociologique,
n'a pas été pris en compte. C'était effectivement une vision très technocratique qui faisait complètement abstraction de ce paramètre-là. Je pense qu'il y avait le sentiment de la part de l'État d'apporter de l'argent, de l'industrie, du travail, et il nous refuse ce cadeau. Pourquoi cela résisterait-il et refuserait-il une centrale alors que tous les autres ont accepté? Donc il y avait quelque chose qui ne collait pas, quoi. Bonsoir. Ah vraiment, nous sommes trop gâtés et ça commence à suffire. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des pétroliers au large et qui s'échouent sur nos côtes bretonnes pour abîmer ce que nous avons de plus beau et ruiner la saison des pêcheurs. On se réveille le matin, on sent une odeur de fioul, on se dit qu'est-ce qui se passe chez nous, quoi. Et puis on met la radio et c'est là qu'on apprend qu'un pétrolier donc, s'était échoué dans le Nord Finistère à Port-Sal. Et ce qu'on sentait, c'était l'odeur du pétrole. Et on dit c'est pas possible, il faut sortir un tract. On sort un tract immédiatement, le jour même. Comment est-ce qu'on peut accepter une centrale nucléaire alors qu'on voit ce tanker qui était un des plus modernes, qui n'aurait jamais dû s'échouer et qui s'échoue, quoi. Le matin, quand je me suis levé, ici, on sentait les odeurs de la Moquacadiez du mazout. Et c'est peut-être à 120 km d'ici. Hein. On s'est rendu compte qu'on se foutait bien de nous, qu'il était temps que ça s'arrête, ces marées noires, parce qu'on en avait eu plusieurs quand même. C'est clair qu'il y a eu un rapprochement entre Plogov et la Moquacadiez. En 78, moi j'avais à peine 18 ans, lycéen à Quimper. C'était un sentiment de révolte de jeunes dont le pays est souillé, quoi. Et c'était pas la première fois. Il y a eu le Torre Canyon, il y a eu l'Olympique Braverie, le Bolène. Donc il y avait une espèce de répétition de ces catastrophes écologiques en fait, qui étaient d'une ampleur incroyable, quoi. Et là, c'était du concret, c'est-à-dire c'était pas un projet. C'est-à-dire la pollution se voyait, se sentait, était déjà un petit peu médiatisée. Et donc, c'était vraiment une réalité, quoi. Et là, il s'est constitué des comités anti-marée noire, très nombreux, ces petits comités. Quand l'affaire de la marée noire s'est un peu estompée dans la mémoire, eh bien, beaucoup d'entre eux se sont transformés en comités anti-nucléaire, en comités Plogoff, en Klein. La Moquacadiez, ça tombait au pire moment parce qu'on vivait quand même cette idée de centrale comme un envahissement. Nous, on avait envie de garder notre Bretagne telle qu'elle est, qu'elle a énormément de charme. Si on habite ici, mais moi, c'est un habitat choisi, donc c'est grave. On n'avait pas du tout envie que notre Cap Cisin soit défiguré. Le site de Fontenotte était un site de land littoral. Nous, on s'est dit qu'autrefois, ce site était d'usage agricole, avec des animaux qui étaient rustiques. Donc, pourquoi pas créer un élevage de moutons à l'image de ce qui se passait au Larzac. Donc, le choix a été fait d'implanter une bergerie sur le site. Ça marchait tout seul. Bon, et il faisait de la construction avec des termes de marin, mais ça marchait tout seul, ça marchait bien. On construisait, quoi, au sens propre du terme. On décidait de construire et d'occuper le site, le lieu, et on voyait dans cette première construction de la bergerie un signe fort pour l'avenir. L'idée de faire une bergerie, c'est suite à la création d'un GFA. GFA, c'est un groupement foncier agricole, pour empêcher EDF de s'installer.
dont on avait acquis 14 hectares et quelques, entre 14 et 15 hectares, qu'on avait achetés à des propriétaires. Ça a été un peu compliqué d'ailleurs, parce que Plogoff, c'est des milliers de petites parcelles qui existent, et donc ça, c'était compliqué à mettre en place. Je me souviens être allé là-bas avec des remorques de paille et de foin au début, pour aider le jeune berger qui s'installait là-bas avec sa famille, quoi. Une partie des moutons, bien sûr, a été achetée sur place. Et puis une partie des moutons sont venus ici du Larzac. C'était le symbole du jumelage de deux luttes emblématiques de cette période, celle de Plogoff et celle du Larzac. Ce rapprochement avec le Larzac, il a eu plusieurs impacts. Ça a fait agrandir la lutte dans toute la France. Elle a fait connaître ce rapprochement, parce que le Larzac existait déjà. Et eux, ils rassemblaient des centaines de milliers de personnes. Et eux aussi, ils nous ont fait de la pub. Et psychologiquement, il y avait quelque chose de fort entre ces deux luttes-là. Je suis allé une fois chercher des brebis là-bas. On avait pris le camion du boucher de Plouinec pour aller chercher le camion, pour aller chercher les brebis. C'était super sympa. La dernière fois que je suis rentré ici, c'était en 84, me semble. Prendre les dernières brebis qui étaient là. Ok. Et non, il en restait une douzaine. Oui, il restait plus grand chose. Non. Aujourd'hui, c'est un centre équestre. On a été poursuivi et condamné à la démolition. Cette bergerie, je suis toujours condamné à la démolir. Je pense qu'il y a prescription, mais c'est comme ça. Le projet devait être considéré comme étant d'utilité publique, donc il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Partant de là, tracer des routes, sortir des pylônes, etc., et construire elle-même la centrale, quelles que soient les réticences que les gens pouvaient avoir. Donc il y avait cette enquête d'utilité publique, donc des registres qui étaient déposés à la mairie, et on pouvait aller donner ses appréciations sur les registres. L'attitude résolue du maire était quelque chose d'exceptionnel, parce que prendre le registre d'enquête publique, aller sur la place de la mairie avec les autres élus autour, la population, et y mettre le feu, fallait quand même le faire, quoi. Hein, avec bleu, blanc, rouge en bandoulière, c'était quelque chose d'énorme, quoi. Et c'est là donc que la préfecture a décidé qu'il fallait faire des mairies annexes, donc des petites camionnettes qui arrivaient à Plogoff et qui avaient les registres, qui étaient gardés justement par la troupe, là, et où on pouvait aller écrire ce qu'on voulait. Quand les CRS sont arrivés ce fameux soir pour installer les estafettes, les mairies annexes, on avait fait un barrage à la baie des Trépassés et un autre au petit pont du Loc. Et là, on avait bien, au niveau du pont du Loc, tout était barricadé. Il y avait des vieux tracteurs, des vieilles carcasses de voitures. Et on avait même mis des bouteilles de gaz dedans. Donc c'était impressionnant, hein, le barrage. Et à 5h du matin, c'est là qu'on a vu arriver les CRS. Et là, la guerre a commencé, on peut dire. Le jour où ils sont arrivés pour la première fois, moi je pensais naïvement qu'on allait pouvoir les empêcher de rentrer. Et en fait, les barricades ont craqué. Et ce jour-là, au petit matin, j'ai pleuré parce que j'ai cru que tout était fini. Et en fait, tout commençait. Thank you.
c'était une agression. Ici, toute la population a vécu ça comme une agression. Les gens se sont dit, mais on se fiche de nous du début à la fin, quoi. Et à Plogoff, les hommes, ils étaient souvent pas là. Ils étaient marins, ils étaient ou au commerce ou à la royale. Et les femmes étaient habituées à prendre des responsabilités. Et d'ailleurs, elles ont prises. Elles ont été extraordinaires. Parce qu'il fallait assister. Elles n'avaient pas leur langue dans leur poche. Il fallait entendre ce qu'elles leur disaient. Hein. « Pas honte, pourriez être mon fils. » C'était incroyable. C'est les femmes qui ont l'habitude de se débrouiller seules. Hein. Et, mais ça, c'est de tout le cap, de Douarnenez à Plogoff. Toutes les femmes sont comme ça. Elles n'ont pas leur langue dans leur poche. Et elles savent se défendre. Les gardes mobiles, bon, je pense que j'ai jeté quelques cailloux, je vais pas le dire, que je vais pas nier non plus. Je peux même pas parler des femmes qui luttent ou qui jettent des pierres, j'étais ces femmes-là, donc c'est... Je ne suis pas en dehors de ça. Je suis totalement solidaire de cette lutte-là, je suis... voilà. Les jeunes CRS qui étaient là, qu'on avait envoyés là, et en fin de compte, qui pleuraient. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas. Ils ont fait venir des gardes mobiles qui rentraient du Tchad et des vieux briscards qu'ils ont ramenés là et qui étaient plus résistants. Donc la lutte a été plus dure. C'est insupportable. C'est révoltant. C'est... Voilà de la violence, mais ça c'est violent. Tout se mêle, c'est trop, trop, trop dans l'émotion, trop dans... C'est présent. Je n'arrive pas à faire une chronologie historique, c'est aujourd'hui, c'est présent pour moi. J'ai ressenti d'abord l'effet des grenades offensives que les gendarmes balançaient dans les pattes des journalistes, bien qu'ils disent après que c'était pas vrai, mais enfin, je m'en souviens fort bien. D'un côté, il y avait les gendarmes mobiles avec des petites équipes d'intervention très rapides qu'ils ont expérimentées là. Il y avait l'élite des gendarmes mobiles qui étaient présents et qui couraient extrêmement vite, beaucoup plus vite que les journalistes, je peux vous dire, surtout moi. Et puis les gens en face, ils avaient des pierres et des frondes. À 5 heures, les mairies annexes se fermaient. Les manifestations avaient lieu à ce moment-là. La messe de 5 heures, c'est le départ des gardes mobiles. C'était hippique. Les gens se déplaçaient de partout pour la messe de 5 heures. Les gens venaient de très loin pour assister à cette messe. On a vu à certaines messes de 5 heures des jeunes Parisiens qui avaient pris le train pour venir assister à une messe de 5 heures. C'était devenu quelque chose de très populaire. Oui, bien sûr, on y assistait. C'était pas uniquement des manifestations ponctuelles, c'était jour et nuit. Pendant 6 semaines, les gens de Plogoff et les gens du Cap Sizun et de Bretagne tenaient la terre, tenaient le sol. On occupait, en fait. On reprenait possession et on montrait qu'on était maître chez nous. Enfants, dont un né en pleine manifestation. C'était mémorable, ce petit qui est né. C'était la journée où il y avait les hélicoptères qui tournaient, et puis voilà. Je me vois dans la chambre de la maternité avec ce bébé.
je ne pensais plus qu'à ça. Et j'avais toutes les visites des copains antinucléaires dans la chambre, enfin, qui se remplissaient. Et ils regardaient le bébé, mais très vite, on ne parlait que de nucléaire. Ils avaient des lance-pierres. C'était un symbole de la lutte qui se trouve maintenant à l'entrée de Plogoff avec cette sculpture du sculpteur qui, même pendant l'enquête, a matérialisé cette lutte parce que les mairies annexes étaient juste devant chez lui, quoi. À un moment donné, je pense que tout a basculé. D'ailleurs, les violences, il y en a eu vraiment assez mauvaises, on peut dire, à Quimper. Lors des manifestations devant le tribunal de justice à Quimper, où quand même il y a eu deux personnes qui ont eu un œil de crevé. On s'est retrouvé acculé avec entre les gardes mobiles, à être complètement gazé, où l'atmosphère était irrespirable, où j'ai cru que je ne pouvais plus, que j'allais mourir même. On était arrivé à des type de violence vraiment qui aurait pu être mortel de part et d'autre. Et on recevait des documents, quelquefois par la poste ou par d'autres biais, où on nous expliquait comment faire des bombes, comment les poser. Bon, ça pouvait commencer comme un mémoire de faculté, et puis passer les 10 premières pages, on rentrait dans un autre texte. Mais finalement, on n'a pas donné suite. Il a fallu appeler à une modération, c'est-à-dire que de pouvoir exprimer la colère, mais de ne pas dépasser un certain seuil. Et parfois, je sentais quand lors de ces appels, eh bien, comme une certaine colère qui s'exprimait face à la personne qui demandait de la modération. J'ai vu cette foule très nombreuse, ce cortège, et puis c'est vrai, ce chant des partisans en breton qui était quelque chose d'important, parce que le Cap a été justement une terre de résistance. Donc le souvenir de la résistance là-bas était très 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 puissant. On entendait parfois des propos qui étaient assez raides, qui allaient jusqu'à dire « les Allemands ne nous ont pas fait ce que font les gendarmes ici, quoi ». Les manifestants transportaient un cercueil et symboliquement, ils annonçaient que le projet était enterré. Donc, que finalement, que les gardes mobiles quittaient le Cap Sizun et qu'on ne les voit plus. Il y a eu cette fameuse fête de la Pentecôte. Il y a eu plus de 150 000 personnes sur 3 jours. J'étais présent puisque c'était mon tracteur en tant que paysan qui alimentait la fête avec un groupe électrogène. Woodstock breton. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard. C'était l'époque du renouveau de la musique bretonne avec Gilles Serva, Alain Stivell, Glenn Moore ou autres, qui sont tous venus. La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré, ont mangé tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. C'est dans 8 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 8 ans, je m'en irai. C'est bon ?
Gogoff ne figure pas et ne figurera pas dans mon plan nucléaire. Donc le soir de son élection, pour nous, c'était l'élection de Mitterrand, oui très bien, mais c'était surtout, on avait gagné, hein, et j'ai jamais embrassé autant de barbus de ma vie que ce soir-là, parce que tous les copains, on s'embrassait. Pour nous, c'était la seule chance que Plogoff ne se fasse pas. Et ça a été une grande joie, un grand soulagement. On a été heureux. Et on a fêté ça dignement. Au moment de la victoire, mon père est mort. Et j'étais pris entre la joie et la tristesse, quoi. Parce que j'avais aussi ce deuil à porter en même temps. Et je ne savais pas si je devais rire ou pleurer, quoi. Je dis, c'est pas gagné. Il faut que le projet, il faut que ensuite le candidat qui est élu, eh bien, il respecte sa promesse. Bon, c'est-à-dire que c'est un peu dubitatif. Les promesses ne sont pas toujours tenues. Et au second conseil des ministres, le projet a été abandonné. Et c'est Louis Le Pincec lui-même, qui était ministre de la mer à l'époque, qui a annoncé que le projet de Plogoff était abandonné, tout comme celui du Larzac. Donc, je vais d'abord évoquer Flamanville, parce qu'il y a une relation avec Plogoff. Eh bien, à Flamanville, il y a actuellement deux réacteurs à eau pressurisée qui sont en fonctionnement. Et à l'époque de la lutte de Plogoff, ces réacteurs étaient en construction. Donc, tu peux parler un peu de l'EPR à ce moment-là. Là, c'est même pas encore fini. Hein. Il continue les travaux, même si on a une cuve donc qui risque de lâcher dès le démarrage. Et le couvercle avec. L'esprit de Plogoff, il faut qu'il souffle à pas mal. Voilà. Ouais, je suis quelque chose comme ça. Non, pas chez Ten. Planage. J'y étais aussi. Planage, je crois. Voilà. Et magnifique. Parfois, il y a des gens qui vous prennent. J'ai rencontré des gens. Donc, on va peut-être chanter la chanson avant la minute de silence qui est prévue. Qui donne le la? Monsieur le Président, Plogoff vous fait une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Lettre de François Mitterrand, Paris le 23 avril 1981, adressée au comité antinucléaire de Plogoff et de la région, mairie de Plogoff, 29 113, Audierne. Madame, Monsieur, vous avez adressé au candidat à la présidence de la République une lettre ouverte leur faisant part de votre opposition au projet de centrale nucléaire de Plogoff et de votre indignation devant les méthodes employées pour imposer ce projet. Indignation légitime que je partage. Je crois au contraire que le nucléaire, question d'une importance vitale pour notre avenir, justifie pleinement l'organisation d'un vaste débat dans notre pays. Enfin informé, les Français pourront se prononcer par référendum. Je me suis engagé à ne plus ouvrir de nouveaux chantiers de centrales nucléaires, en particulier celui de Plogoff, avant que la conclusion de ce débat ne soit connue. Les crédits économisés par la réduction du programme nucléaire permettront d'augmenter fortement les moyens accordés aux économies d'énergie et aux énergies nouvelles. Ces investissements, à la différence du programme nucléaire, sont décentralisés, fortement créateurs d'emplois et réduisent tout de suite nos importations. François Mitterrand. C'est incroyable quand on lit ça. Oh là là, c'est incroyable. On pensait qu'à l'époque, on serait soutenu par le nouveau pouvoir en place. Et là,
On a connu une désillusion parce que le Plogoff a été abandonné, mais l'ensemble du programme nucléaire s'est poursuivi. Pour nous, c'était pas de nucléaire, ni ici, ni ailleurs. Hein. Il y avait un certain nombre de militants déjà qui avaient travaillé avec, en particulier, des scientifiques sur ce qu'on a appelé le projet Alter Breton. Et c'était un projet qui envisageait la Bretagne sans pétrole et sans nucléaire à l'échéance, vous voyez, ils étaient prudents, 2015. Vous voyez, ils y allaient progressivement, mais c'était un projet justement qui tenait la route. Et là, aujourd'hui, on aurait eu une Bretagne complètement indépendante sur le plan énergétique. Donc tout ça avait été réfléchi. Et il y avait Plogoff Alternative, une association donc à Plogoff qui avait milité pour la construction d'une maison autonome. On y croyait. La grosse déception, ça a été de voir que non seulement ça ne partait pas, mais qu'on a eu même, je dirais, l'impression que toutes les initiatives qu'on a voulu prendre, on les a sabordées, comme si on avait voulu nous punir d'avoir gagné à Plogoff. Je crois qu'on était en avance parce que Plogoff nous a fait prendre conscience, bien avant l'ensemble de la population française, de la nécessité d'entrer dans la transition écologique. On avait bien vu René Dumont à la télévision, mais beaucoup de gens le prenaient pour un rigolo. Il était le premier à dire ce qu'on dit aujourd'hui. Hein, il était le premier à parler du réchauffement climatique, etc. Ce qu'on proposait, c'était une diminution considérable de la consommation d'électricité. Il y avait tout un tas d'idées qu'on avait proposées, mais bon, rien. J'ai du mal à comprendre un petit peu. Je pense que quand ce projet a été arrêté, tout s'est cassé la pipe. Voilà. Personnellement, j'ai connu une phase très difficile après la lutte. Oh, mais ça a bien duré 2 ans. Hein. Après toute cette énergie, les héros étaient fatigués. Et moi, j'ai récupéré les morceaux, on peut dire, pendant plusieurs mois. Hein, après cette lutte de 7 ans, parce que c'était une lutte pour lui de 7 ans, a fait comme un burn-out. Et ce burn-out a coloré la construction de notre couple. Et donc, moi, j'ai connu plus le héros fatigué que le héros flamboyant. Hein. Et il a fallu un certain temps pour lui d'intégrer ce pan de sa vie, puisque pour lui, il n'a pas pu transformer cette lutte en une construction vers une alternative au nucléaire. Et ce n'est qu'aujourd'hui, plus de 30 ans après, qu'on voit les germes de cette préoccupation éclore. Je suis fière d'avoir été compagne de cet homme parce que c'était l'affaire de sa vie. Je suis fier d'avoir participé à cette lutte-là, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs.
Et je pense que beaucoup d'acteurs de la lutte sont ici aujourd'hui. Et on est, je pense, tous fiers de ça. Attendez, c'est quand même la seule lutte antinucléaire qui a été gagnée. Et on l'a gagnée de haute lutte. Hein. On l'a gagnée par notre réflexion, par notre volonté, par tout ce qu'on a fait. Combien de fois j'ai entendu ça, moi, des militants antinucléaires qui regardent la carte, mais il n'y en a pas chez vous. Ben, je dis non. On a su faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Ils voulaient en mettre à Plogoff, il n'y en a pas. Ils voulaient en mettre une, alors plus, en Loire-Atlantique, au Pèlerin, il n'y en a pas. Et au Carnet, hein, encore plus proche de nous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas non plus à Erdeven. Donc, il y a une raison, on s'est battu, il n'y en a pas. Et on dit, il n'y en a pas, et il n'y en aura pas. Et c'est vrai qu'on a une certaine fierté, et quelquefois, on nous le reproche. Hein. Oui, d'accord, vous avez gagné, mais vous n'avez pas arrêté le programme électronucléaire. Bon. On ne pouvait pas tout faire. Hein. C'était déjà pas mal. J'ai appris à Plogoff, que, avec la lutte de Plogoff, qu'un groupe uni est capable de gagner un combat qui s'annonçait perdu d'avance. Tout est actuel pour moi, tout est à vif. Hein. Cette histoire est encore à vif. Je ne peux pas parler de Plogoff comme un souvenir. Je suis devenue quelque chose avec ça. Je peux parler de moi, mais je ne suis pas historienne. C'est très beau ce qui reste entre nous. Et puis les copains qui ne sont plus là aussi. Là, des amis qui sont déjà partis et qui manque, je pense à Luc, à l'ami Luc, Luc Blanchard, un optimiste. Je voudrais même que tout ce que je dis soit en son nom. Quand je repense à ce moment de Plogoff, tout s'est effacé de colère, de peur. Je garde le mot de fraternité. Plusieurs de mes meilleurs amis, c'est des gens que j'ai connus à Plogoff. C'est cette fraternité qui nous a permis de créer Plogoff Mémoire d'une lutte. Il y a donc Marine, qui est une nouvelle adhérente, une trentenaire, qui a écrit un texte. Sur la plage de la baie des Trépassés, nous avons fait un cercle de galets et d'algues, de pas et de silhouettes couchées, de houles tournoyantes, pour célébrer l'absence sur le plancher des vagues de l'usine à atomes. Elle n'est pas là, mais l'eau retombe et se retire à chaque marée, lourde encore de la centrale. Par rapport à ce qui se passe à Bure, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Quelle est la forme de soutien qu'on peut apporter? Moi, je crois qu'on est trop franco-français, machin. Bure, on a parlé tout à l'heure, que ça n'intéresse pas le grand public, il n'est pas concerné. Il faut peut-être lier ça à Fukushima, à quelque chose d'important. Dans un contexte où il y a une banalisation du nucléaire, comment trouver d'autres moyens de lutte qui ne rassemblent pas que les têtes grises, ouais, blanches, comme on est. Souvenir, c'était plutôt Plogoff. Donc, ça fait quelques années. Oui. Au niveau des Français, là, on s'est un peu endormi. Mais on croit que, puisque rien n'est arrivé, il n'y a pas de danger, quoi. Tout est maîtrisé. C'est au contraire, c'est le contraire. Ça me rappelle des souvenirs. Maurice, tu t'allonges. J'ai mal au genou. Ah, bon. Sur la main. Ah.
Nous sommes allés à Flamanville au mois d'octobre l'année dernière. J'ai été effrayée de voir à quoi on a échappé à Plogoff. Parce que c'est un site qui est monstrueux, qui défigure complètement l'environnement, autant par le site lui-même et autant par les lignes à haute tension qui partent du site. Je me suis dit que je n'ai aucun regret d'avoir sacrifié autant de temps à cette lutte, parce que ça valait le coup, quoi. On est à Flamanville dans une espèce de quintessence du délire technologique. Tout le monde sait très bien que c'est une folie, y compris les gens qui la font, que ça n'a pas de sens. Mais si vous voulez, grâce à ça, depuis 20 ans, ils continuent à payer des équipes, continuent à payer des chercheurs, continuent à payer des bureaux d'études, continuent à conserver une compétence, tout en courant à la faillite, comme ça a été le cas avec le surgénérateur de Crémalville. J'ai été deux fois à Notre-Dame-des-Landes. J'ai été présenté aussi ce qui s'est fait un peu à Plogoff. Et puis je milite surtout sous le terrain maintenant au niveau des pesticides parce que, et dans ma façon de fonctionner professionnellement, je considère que c'est aussi une lutte d'être en agriculture biologique. C'est une forme de lutte pour l'écologie, pour le vivant. Et c'est pour laisser à nos enfants et petits-enfants une terre vivante et une planète vivante. On n'est pas des anciens combattants. Et pour une bonne raison, c'est que la plupart d'entre nous, on est toujours sur des terrains d'action parce que, je veux dire, les problèmes n'arrêtent pas. C'est les pesticides, c'est les OGM, c'est les NICI, c'est les réfugiés. Jamais je ne serai fatiguée. Je tiendrai jusqu'au bout. Cette pierre symbolise la lutte de Plogoff. Elle a été installée à l'initiative des comités Plogoff de Locronan et de Plogonnec, avec trois inscriptions. Une inscription en breton, nucléel non, nucléaire non. L'autre côté en français, non au nucléaire. Et puis sur la face principale, Breiz Avevo, la Bretagne vivra. Mais aussi, sans nucléaire, mais sans autre chose, sans les trous des projets miniers, sans un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, la Bretagne vivra, sans l'extraction de sable. Et je crois que c'est ça, en fait. La Bretagne vivra, quoi. Il y a en Bretagne quelque chose qui est un attachement viscéral, presque cellulaire, à la terre, à la lande, à la mer et au ciel. Et la résistance qui a été celle à Plogoff, à Erdeven, aux Pèlerins et récemment à Notre-Dame-des-Landes, à mon avis, elle est liée à ce sentiment que l'être humain est lié au bout de terre qui le porte et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la terre qu'on habite et qui nous habite. C'est important pour nous, pour les jeunes générations qui vont venir, de dire voilà ce qui s'est passé, pourquoi on a refusé cette centrale atomique. J'ai vu arriver chez moi des étudiants menés par la professeure pour faire un mémoire de maîtrise où on parlait de Plogoff, ou même un doctorat, mémoire de doctorat. Je me suis dit, ça y est, Plogoff devient un événement historique si c'est des profs d'université qui envoient leurs étudiants travailler là-dessus. On a semé des graines, certainement, sans chercher à le faire, quoi. En 2015, il y avait une centaine de jeunes qui sont venus sur le site. J'avais demandé à ce qu'une minute de silence soit respectée en hommage à ceux qui s'étaient battus et qui étaient morts depuis. Après cette minute de silence, ces jeunes de 20 à 30 ans, européens, n'ont pas bougé.
Ils sont restés devant la mer, muets, contemplatifs. Et quand après, dans la poursuite de notre balade avec eux, on leur a demandé ce qui s'était passé, ils nous ont dit, mais c'est d'une part en respect de ceux qui ont fait cette lutte, et surtout dans le remerciement de la beauté qu'ils ont préservée grâce à cette lutte. Et donc, 35 ans après, c'était un bel hommage. Et ça montre que cette lutte n'était pas ringarde et que la mémoire d'aujourd'hui n'est pas ringarde. Au contraire, elle est porteuse d'avenir. Je crois encore que ça change, que ça bouge. Le problème, c'est que ce qui bouge, on le voit peu. Et que ce qui ne bouge pas, on le voit trop. Et je crois beaucoup aux choses invisibles qu'on voit peu. Je ne suis pas encore à mon âge devenue pessimiste. Je n'y arrive pas. On voit qu'il y a des gens qui y croient et qui continuent à foncer. Donc on se dit, ils ont la même utopie que celle qu'on avait, nous, quand on se bagarrait pour Plogoff, donc ils vont gagner, quoi. On ne peut pas habiter un territoire sans être relié à son passé. C'est la manière d'être ancré dans un passé qui permet d'aller vers un devenir. Et les histoires, celles qu'on se transmet de génération en génération, servent à dire notre appartenance et aussi à dire que ce territoire qu'on habite maintenant, temporairement dans notre existence d'être vivant, on va le transmettre aussi aux générations qui vont venir derrière nous. Et on ne va pas leur donner n'importe quoi.